Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on est avec l'équipe Bombad Media là, depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi à nous allons vite suivre l'installation nouveau directeur général dans tête EDH là. Et nous voulons faire connaître syndicat employé EDH contre nomination nouveau directeur général EDH là. Si information ça nous porter pour si c'est première fois visiter nos informations nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir cette notification. Ça permet de vous faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Eh bien, nous pas perdre du temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. Ils savent que le courant va venir arriver à telle heure. C'est pas normal que les gens restent chez eux à se plaindre. Vous savez que de lundi à aujourd'hui, j'ai reçu plus de 50 à 60 appels. Et le dernier de l'hôpital général, où les gens à la morgue sont en train de se décomposer. Parce qu'ils ont plus d'une quinzaine de jours, ils n'ont pas d'électricité. Où est la priorité? On vit dans une période de COVID-19. Donc, si le secteur de la santé n'est pas une priorité pour l'énergie, où se trouve la priorité? Donc, nous allons nous asseoir ensemble. Je vous donne ma parole. Je vous promets toute ma collaboration. Mais je vous promets aussi que je suis là 24/24. Nous avons travaillé 24 heures. Permettez que je ne vous laisse pas dormir. Parce que chacun doit faire son travail. Et c'est la seule façon de changer la campagne. Nous avons beaucoup de projets en cours. Attelons-nous à les faire avancer pour que les gens voient chaque mois, chaque 2 mois, chaque 6 mois, un changement dans la bonne direction. Et c'est le vœu que je formule pour les DH avec vous autres. Oui, bon, quand je dis les employés, alors j'ai une façon de voir les choses qui peut être différente des autres. Il est important que le rôle du syndicat, c'est deux choses fondamentales. C'est pas quoi, c'est pas quoi. Je l'ai toujours dit, et les camarades du syndicat de l'EDH me connaissent, n'est-ce pas? Le rôle du syndicat dans un premier temps, c'est de s'assurer que tous ses membres contribuent au développement de la campagne. C'est la première mission d'un syndicat. La deuxième mission d'un syndicat, c'est de s'assurer qu'il défend les intérêts de ses membres. Vous ne pouvez pas défendre les intérêts de vos membres si en retour, vous ne vous assurez pas qu'ils contribuent au bien-être de la compagnie. Parce que si la compagnie coule, il n'y a rien à partager. Il n'y a rien. Donc, un syndicat, c'est un élément de régulation dans une entreprise. Tout le monde, les employés veillent à faire le travail parce qu'ils savent que le syndicat qui doit les protéger va s'assurer qu'ils travaillent pour que le syndicat soit en mesure de les faire. L'administration, la direction, le ministère, voilà, est en train de veiller aussi pour ne pas commettre d'erreurs de façon à ce que le syndicat lui-même ne vienne pas lui dire « Écoutez, DG, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. » Donc, quand j'ai dit employé, monsieur le ministre, j'entends tout le monde. Parce que avant tout, le syndicat, c'est un regroupement d'employés qui est dirigé par un conseil, par quelqu'un, etc., qui s'appelle président du syndicat ou bien membre du syndicat. Donc, quand j'ai dit employé, c'est pour éviter de faire en sorte une division à l'intérieur d'employés. Il y a les syndicats, il y a les employés. Non, le syndicat fait partie intégrée du corps des employés. Et c'est comme ça qu'il faut le traiter. Et moi, personnellement, j'aurai à m'asseoir, comme je l'ai toujours fait dans mes expériences, à m'asseoir avec tout le monde et avec la direction du syndicat. Il faut qu'on comprenne ensemble. Quel est le problème? Je ne pense pas que le syndicat puisse être satisfait de l'EDH dans laquelle elle travaille aujourd'hui. Je crois que le syndicat doit chercher, et je suis sûr que tous, ils veulent changer. Changer la compagnie pour qu'on puisse dire, ah oui, ce syndicat s'est tellement battu. Regarde la compagnie que nous avons. C'est une référence d'une entreprise de l'État. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, nous allons nous asseoir avec toute la salle de direction. D'ailleurs, nous avons une responsabilité de nous retrouver hebdomadairement et régulièrement pour discuter des stratégies et comment avancer, quels sont les problèmes, comment les adresser. Mais nous allons nous asseoir aussi avec le syndicat
pour voir les problèmes et voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Parce qu'il n'est pas possible qu'un employé travaille et qu'il ait 2 quinzaines, 3 quinzaines, 4 quinzaines, il n'a pas payé. Ça, c'est un problème. C'est normal que le syndicat défend ça et se bat pour que ça ne se fasse pas. Et nous devons être ouverts et à l'écoute et de toutes les revendications du syndicat, mais dans la discipline. Merci. Monsieur le directeur, je vous invite à saluer le président général. Bon, je ne dis pas que c'est la même, hein, c'est pour les femmes de l'islam. Madame, je vous dis vous embrasser. Mais... Avec la présence de l'ingénieur Michel Guézoumet à la tête de l'EDH, je suis sûr que cette institution va prendre une autre courbe. À ce titre, je vous invite à lever vos verres, permettant à cette nouvelle équipe de travailler pour les succès de l'EDH. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous saluons la presse par écrit, à téléviser, matin, pour qu'on fasse un dépresse que vous venez couvrir là. Nous profitons de l'occasion, ça, jeudi, pour nous rappeler le président de la République, là, qui a un monopole, droit, qui a un prérogatif, c'est lui-même qui peut nommer, c'est lui-même qui peut révoquer. Nous, après rappeler le président de la République, là, c'est lui-même qui a un responsabilité pour que l'IVE à la bonne marche de toute institution. Nous avons rappelé tout le monde depuis 9 jours côté que le président a arrêté pour te nommer monsieur présumé en tête EDH. Bio exécutif syndicat EDH constaté nous levons campé, nous levons des boucliers. Côté tout ouvrier EDH, depuis Jérémy, passant au CAI, Jacques Mel, Tigouave, toute zone métropolitaine, Plateau Central, Gonaïve, Sema, Gonaïve, au Cap, tout employé, tout côté EDH, bon unité, tout le monde levé campé pour dire un grand maraille. Yo parle, monsieur présumé, la tête EDH. Soulèvement ça permet que tout ouvrier dit pas mal de travail depuis ce présumé qu'il en tête EDH. Il a vu notre travailleur chita, mais il n'a pas de travail parce qu'il n'a pas collaboré avec M. présumé. Jodi, nous avons constaté de plusieurs zones qui ont blackout. Nous-mêmes, dans le syndicat, nous avons remis à ce que tout le monde prenne travail. Pour la population service. Mais présence de monsieur présumé dans tête compagnie a toujours fait que EDH était handicapé.
n'a pas demandé président de la République là. Pour le tenir voir la raison. N'a pas demandé président de la République là. Pour amener à la sagesse. Pour que au moins lui facilite à ce que nous dénouement dans la crise EDH là. Dans la radio, dans la télévision, tout le monde a constaté comment le président lui montre qu'il a un intérêt. Il a un amour à ce qu'il résout le problème de production qui est dans l'EDH. Il a résout le problème courant qui est dans le pays. Et si tellement il a résout le problème courant, le président promet la population en courant 24 sur 24. Pour le courant 24 sur 24, nous connaissons le président qui a fait l'effort. La nous connaissons que le président qui a fait l'effort. Pour voir comment on est capable de moyen pour augmenter la production. Pour que nous réparer le réseau. Pour au moins que nous baillons la population en service. Mais nous dit président. Tout bagaille ça que la fait, il n'y a pas qu'à faire dans le bras de fer. Il n'y a pas qu'à faire dans le cas de brisé. Je dis à nous dit président. C'est pour reconnaître que. Employé EDH, depuis le nommé M. Présimé, la tête de compagnie, eh bien, employé EDH, bon, c'est l'image devant vous. Yo wè, EDH qui tourne Téléco, EDH qui tourne Ciment d'Haïti, EDH qui va tourner Minotri et la Trié. Parce que tout employé dit, jodi a, si vous marchez dans la rue, a, yo jwenn moun, yo jwenn paquet tigre moun. Soit femme ou bien garçon, qui a passé misère dans la rue, le monde de côté, tu travail, tu as travaillé dans Téléco. Tu as travaillé dans Ciment d'Haïti. Tu as travaillé dans Minotri. Bon, pas que de jeunes qui ont des âmes dans le quartier populaire. Papa, tu as travaillé Téléco. Maman, tu as travaillé Téléco. Tu as travaillé Ciment d'Haïti. Tu as travaillé Minotri. Mais, à cause de papa, il n'y a pas de job, si vous avez l'éducation, vous n'avez pas fait. Vous êtes obligé de vivre, vous cherchez un moyen pour vivre. En plus, je suis tout. Qui pas arrivé et qui me prestation, c'est parce que les parents n'ont pas de moyens pour subir. Alors que l'employé de H dit eux-mêmes, ils ne pas quitter ça arriver. Et ils dit au péril de vie, ça va arriver. Et ça fait qu'ils sont capables dans toute unité de H, et bien tout employé mobilisé, ils pas d'accord pour que M. Présimé vienne diriger un DH. Parce que M. Présimé symbolise privatisation, il symbolise crasier syndical, il symbolise liquidation. Alors, dans ce sens, si le président n'a pas gagné ça en tête, si le président n'a pas gagné pour privatiser l'EDH, n'a pas demandé au président, eh bien, fais un geste. Voyons l'autre monde, t'en prie, s'il vous plaît, ben nous dans l'EDH. Parce que M. Président n'est pas la bonne personne pour placer l'en tête de l'EDH, je vous dis. Par rapport à Parcelio, par rapport à horaire que l'employé de l'EDH gagne, par rapport à ça le fait, donc l'employé de l'EDH pas d'accord. Et ça fait que n'a pas dit le président, nous parlons, nous prêts pour nous continuer de dialoguer avec elle en tant que président, garant des institutions et PIA. Et nous prenons l'EDH, c'est une institution qui a responsabilité pour ça. Les affaires qu'il a demandé, président, tendez la raison. Voyons l'autre monde pour nous dans cette EDH. Nous ne pouvons pas passer l'ordre, mais nous croyons que passer M. le présumé. Et dès qu'il disait, l'entendez, déclaration Marie-Hélène Gilles. La Fondation Éclairée, l'un des rapports pour supérieur des comptes, mes amis, monsieur Présimé, ou même tout, c'est où chercher ça? C'est où que levez Gepla, Nice Gepla? C'est où que levez organisation Petro-Talendier, toute organisation syndicale, je ne veux dire, tout le monde levez des boucliers contre tout, c'est où chercher ça? Alors on a demandé, tendez la raison, bail de mission, parce que employé de Dieu par servir à vous. À bon entendeur, salut. Jodi a n'a pas demandé président Jovenel qui c'est président pays a pour saisir occasion ça s'il pas contre histoire monsieur Présimé parce que avec monsieur Présimé qui nommé la tête EDH là nous avant hier le ministre de la République là fait une sorte de présentation c'est comme si c'est diffé yo mettait sous c'est lui yo mettait sous diffé a n'a pas demandé président Jovenel qui c'est président tout haïtien dans pays a même leur dans l'autre pays. Depuis nationalité aussi haïtien, c'est M. Jovenel qui est président. N'a pas demandé FESTRED, Fédération syndicale des employés de l'EDH, n'a pas demandé président
pour saisir l'occasion ça. Parce que s'il pas saisir l'occasion ça, par rapport à toute version au bail de monsieur Brésimé, tout moun apwè a clair et que gon bagay qui caché qui réservé pour nous la EDH. Pour saisir occasion ça parce que histoire monsieur Brésimé, c'est pas nous même moi même mettez monsieur Brésimé camper là comme président de fédération, m'pap connais si c'est lui même. Emploi EDH pas connaît monsieur Brésimé, mais histoire le précédent lio fait monsieur Brésimé même sol EDH là emploi EDH cementel pap capiler. Nous demandons, président, s'il vous plaît, retirez-nous dans toute bagaille ça, parce que EDH n'est pas un parti politique, EDH c'est une institution publique purement technique. Mais nous parlons politique, s'il vous plaît, retournez sous décision pour emploi EDH qui reprend le travail, parce que aujourd'hui, nous connaissons plus que 20, 15 à 20 circuits qui dehors. Employez-nous, je rappelle monsieur le président de la République là. Après tremblement de terre, première institution qui était debout c'est EDH. Après cyclone Matthew dans le sud, première institution qui était debout dans le sud c'est EDH. Techniciens nous travaillent avec bout de zone, faible moyen que yo gagne. Mais jodi a nous ouais, gon question de présumé qui voulait politiser EDH. Nous avons un ministre de la République qui prend nous comme si c'est des poules qui marrent des balles pour tuer. Nous demandons président, c'est lui-même qui chef pays. C'est lui président tout haïtien. Employé EDH dit yo pas vle monsieur présumé. Donc pressé pour baga la pas vinn plus mal. Moi même comme président de fédération, moi gon bo ki de l'eau sous tête, moi presque séché. Moi pas capable encore. Donc lui même faut faire intervention rapide pour baga la pas vinn plus dégénérer. Merci. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es cap tendre dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.